Yo tout le monde, c'est Serge, j'espère que vous allez bien, moi c'est super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Us pour un nouvel épisode. Je vais vous présenter tout simplement notre petite grotte avec son petit nid perché, enfin son nid d'aigle. Donc bon, il y a un bruit de mouche, vous inquiétez pas, ça vient pas de chez moi, ça vient juste de mon cadavre qui a pété sur une mine qu'un mec avait posé dans notre base. Enfin, c'est pas si grave, alors on y va. Donc là ce que je vous parlais, une espèce de portail, hop, donc on l'ouvre. Quand même 750 de points de, enfin, d'HP, je crois qu'ils doivent mettre 2 voire 3, 4, alors on va enfermer ça, hop, oups, pardon, je me suis loupé, ils doivent mettre je crois 3, 2 ou 3, 4, wow, tu vas y arriver, c'est 4, voilà, bon, attention, attention, pas rester bloqué, donc la porte se referme, voilà, donc là on arrive, ici, un spécial, ouh, si, j'ai pas vu, ah si, je suis con, j'ai des mauvais angles, je comprenais pas, ok, très bien, alors, on va y retourner. Donc là, normalement, j'ai les codes. Je vais pas vous montrer les codes pour celui-là. Ouh, ils ont changé. Bon, alors, il n'y a rien de spécial derrière. Il n'y a rien de spécial. Juste, en fait, des salles. Des salles pour... Enfin, pour leurrer les ennemis pour qu'ils aient envie de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, rien de bien méchant. Là, donc, porte blindée. Une tourelle auto pour faire plaisir. Une boîte, enfin, une table de réparation qui est de l'autre côté. Là, on a une petite, des petits coffres. Hop. Donc là, pareil, ils ont tout... changer des codes, bon ça ramène pareil, il y a en fait une boîte à outils me semble dedans. Là vous avez vu, on fait pousser une autre tourelle juste en bas pour canarder tout le monde. Là ça mène nulle part, une autre salle en fait, tout simplement. Normalement les voilà, là où j'ai pas d'accès au digicode, je vais pas vous montrer le code parce que je le connais et je veux pas non plus que vous le connaissez. Ça mène bah en fait nulle part, enfin ça mène dans des salles de l'heure, voilà, c'est pas compliqué. Ceci dit, on change régulièrement quand il y a les wipes. Donc là, hop, je rentre dans d'autres portes blindées. C'est toi qui as sauté sur une mine, oui. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Hop, donc un peu de ressources, pierre, bois. Là, une boîte à outils. Excusez-moi. Donc là, c'est tout en blindé. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là, hop, c'est une autre salle des coffres. Vous allez comprendre, voilà pourquoi. On a un, enfin une carrière de minage, enfin d'extraction. Pas mal de bras de F1, vous avez vu. Hein, on doit en avoir, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13. On en a 65, si tu peux être connerie. Voilà, voilà. On a vu, on a des roquettes, donc Osilocité, on a une. On a 3 roquettes pour le lance-roquette. On n'a pas encore le lance-roquette. On a des ordinateurs, une caméra. On peut faire donc encore une nouvelle tourelle. Dans celui-là, on a de la poudre à canon, des minerais de qualité, un peu de fer, beaucoup de bidons, un peu de enfin, carburant faible qualité, voilà en français. Là, on a un peu de stuff, donc le gilet pare-balles, enfin le fameux gilet pare-balles, parce que c'est pas un gilet pare-balles, c'est juste une plaque de fer. Ah, quelqu'un qui arrive, il est mon collègue. Ah, donc en fait, clairement, on chôme pas. Après, c'est vrai que en même temps, on est en moyenne 5, entre 5 à 10 joueurs à jouer régulièrement, donc à farmer. On doit tous donner à peu près, je pense, par jour 5 heures de farm à peu près. Donc clairement, ouais, ça monte vite, ça tourne vite. Donc là, on va pas y aller. C'est moi qui avais proposé donc à... Voilà, donc là, on a République française. Oh, je suis bloqué. Alors, c'est assez chiant. Voilà, on y est arrivé. Donc là, vous avez vu, je vais vous montrer. Là, il y a des espèces de petites portes. Alors pourquoi il y a des portes? Il y en a deux, trois, c'est des portes de secours pour s'enfuir, hein, bien compliqué si jamais les mecs rentrent là-dedans derrière et qu'ils sont un peu con-con. Voilà, donc je vais essayer de montrer la suite. Donc la petite salle des fours, hop, avec un petit feu, normalement on a des feux derrière pour bouffer. Là, je suis plus allé, je crois qu'il y avait une boîte à outils, il me semble. Tsukatsu, hop. Là. Donc là c'est une petite, enfin c'est un peu des chambres hein, clairement vous allez voir. Hop. Hop là, là des coffres avec des sacs de couchage, hein. C'est juste des chambres ici. Là il n'y a rien du tout, un petit leurre, on attendait de voir ce qu'on allait faire, on sait pas encore. Là un lit, voilà. Hop. Là hop, un bidon d'eau. Là, oula, ok. Voilà, donc là, parce que je vous parlais, la fameuse trappe pour s'échapper. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont lâché?
Ça fait peur. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer un peu la tour, ça va être sympa. Je crois qu'ils vont aller raider, à mon avis, mes collègues. Donc là, ce côté, je voulais vous montrer, pardon, un petit escalier dans la roche, bien sympa, hop, je monte, il n'y a plus le cadavre à Fier, et Fier qui dormait normalement, je crois qu'ils l'ont buté, si il me semble. Donc là, juste avant, il n'y avait rien, donc on avait mis des fenêtres pour pouvoir tirer sur les agresseurs, voilà, merci. Alors je sais pas pourquoi je peux pas fermer là, mais bon, c'est pas si grave. Là je peux pas y aller, hein. Vous avez vu, il y a les barbelés qui nous gênent. Là, rien de spécial, une autre fenêtre. Hop. Là par contre je peux y aller. Il a compris que je crois que je voulais y aller. Là, donc j'ouvre la porte. Par contre, si, on va y aller. Juste avant, je vous montre ça. Hop là. Petite porte de secours. Ah bah il a changé le mot de passe. En fait c'est une porte de secours, ça mène juste derrière la grotte. Je vous montrerai la porte tout à l'heure. La porte est plus inutile, enfin les portes les plus inutiles, gauche et droite. Là, on peut y aller, voilà, je peux y aller à l'entrée. Par contre, je ne peux pas, enfin si, attendez, je peux aller là, pour vous montrer, donc voilà, poste de guet. Je ne peux pas remonter, je crois, je ne peux pas, voilà, je peux pas re-rentrer. Je sais pas pourquoi, c'est un bug. Ah, donc, pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Hop. On va reprendre l'escalier pour aller dans la tour, avant qu'il fasse nuit. Bon, de toute façon, au pire, j'ai une torche, il faut... Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer la vue qu'on a avant qu'il fasse nuit. Alors, je peux y arriver. Il a eu du mal, hein. Il a eu du mal. Bon, ça, c'est comme une porte que je peux pas. Voilà. Alors là, je sais même plus si j'ai accès. Non, j'ai pas accès à celui-là. Dans quelques instants. Merci. Ne réponds pas en t'entendant. Parce qu'en fait, République ne veut pas qu'on entende sa voix pour ces épisodes. Bon, c'est pas si grave. Donc là, vous avez vu monter comme ça. Un peu... juste à l'échelle, et là, arrivé là-haut, je sens qu'il va me faire le leurre, il va me fermer la porte à la gueule. On va se mettre bien droit. Il faut sauter. Oula, attends, laisse-moi monter. Voilà. Donc là, vous arrivez, pose de guet, je peux vous montrer, c'est super. Là, il y a une autre trappe d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer carrément avec la vue juste là. Voilà, on a une vue un peu sur tout, hein, sur... à peu près tout le fleuve, ouais, même tout le fleuve, un peu sur la route, la warehouse, la, enfin la montagne, le S avec donc bah, la barrique de Choco et du Jeff, les zones de grotte, enfin les zones de grotte, les zones de four, pardon, qu'est-ce que je vous dis, moi, zones de grotte, ça va plus, ma baraque, ouais, ma baraque bien dégueulasse, qui ressemble à rien, ah putain, une baraque, ils ont rajouté un bunker dessus, voilà, voilà. Bon, bah, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut tout le monde.